Dans cet épisode, nous irons par Monts et par Vaux découvrir les rives de l'Idou. Ici, tout en rapport à l'eau, que ce soit les sports en plein air ou les écosystèmes aquatiques. Alors vous aussi, venez faire un grand plongeon dans ce second épisode sur Idou. Bonjour et bienvenue dans notre second épisode sur Idou, une ville où l'eau nourrit non seulement le corps mais aussi l'âme. Depuis mon point d'observation, vous pouvez voir exactement l'endroit où la rivière Qing se jette dans le Yangtze. Incroyable, non, cette différence de couleur. Et c'est là que notre aventure commence. Nous irons explorer des paysages mais découvrirons également des modes de vie des personnes qui vivent le long de la rivière Qing. Je suis Jui, vous êtes sur Carnet de route. Idou comprend une agglomération en pleine effervescence qui compte 400 000 personnes dans le sud-ouest du Hubei, une province située dans le centre de la Chine. Ses rivières scintillantes et ses collines d'émeraude se prêtent à ravir au sport en plein air. Je vais essayer un peu de jet ski puisqu'on peut en faire sur la rivière Qing. Vous voulez pas venir avec moi? Bon, et bien à plus tard! Après avoir arrosé le réalisateur et les caméramans, Jui essaie de ne pas être trop tête brûlée, malgré la tentation presque irrésistible de faire chavirer le jet pour quelques brasses. Il fait presque 40 degrés. Mais à la place, direction la vallée Jiufenggu et son parc d'écotourisme. Il s'agit d'une enclave à environ 20 km au sud-ouest du centre-ville de Yidou, dédiée aux loisirs en plein air. Je suis arrivée tout en haut sans me noyer dans ma propre transpiration et maintenant je vais redescendre en tyrolienne. Si c'est la première fois, n'ayez pas peur, il y aura quelqu'un pour vous réceptionner. D'accord, je suis contente qu'il ne m'attache pas à une corde de soie à l'élastique, j'ai l'impression d'avoir une grosse couche culotte là. Ça fait combien de mètres? 278 mètres. Bon, eh bien, c'est parti. J'ai mon parachute dans le dos et je vais sauter de l'avion. C'est bon, je suis prête. C'est parti. Vraiment? Faut vraiment que je me lance? Ok. J'aurais bien voulu que ça dure sur au moins 50 km, ce serait un super moyen de voir Idou. J'ai bien aimé la fin en fait. C'était pas la chose la plus terrifiante que j'ai faite dans ma vie, mais ça faisait du bien de sentir un peu d'air frais sur le visage. Merci. C'est bel et bien un parc idéal pour les familles. Vous savez, Jiufenggu, ce n'est pas que des paysages, il y a plein d'activités en plein air à faire ici, presque comme dans les colonies de vacances avec la tyrolienne, le tir à l'arc, etc., etc. Tirer à l'arc n'est visiblement pas son point fort. Alors Jui part faire un tour. Elle se retrouve dans un petit coin de paradis. Jiufenggu peut se vanter d'avoir un grand nombre de plantes rares qui se développent à proximité de l'eau. D'ailleurs, en parlant d'eau, on va justement aller voir ça de plus près. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai cette tenue très stylée assortie à cette magnifique paire de gants. Là, je vais me dépasser pour escalader cette chute d'eau qui m'emmènera au sommet de la colline. Alors c'est parti. Escalader à contre-courant est une autre activité à faire à Jiufenggu. Il vous suffit juste de louer un équipement, ces gants hyper stylés sont en option, et le reste est plutôt simple. Aidez-vous de la chaîne, calez vos pieds dans les cavités, imaginez que vous êtes Spider-Man et profitez de la vue. Enfin, pas celle du dos de Jui.
C'est une grande première pour Jui, qui fait tout ce qu'elle peut pour ne pas se retrouver à plat ventre dans l'eau sous les yeux des caméras. Et il y a des endroits plus faciles à escalader que d'autres. En tout cas, ça fait tout travailler. Jui se répète sans cesse de bien faire attention et de faire bon usage de sa super paire de gants. Mission accomplie, j'ai réussi. Regardez, j'ai même des blessures de guerre. Ça faisait tellement peur que j'ai même mouillé mon pantalon, regardez. Un conseil, mettez un short. C'était glissant, mais amusez-vous quand même parce que je me suis bien amusée, moi. À suivre, un petit avant-goût de la vie au bord de l'eau. Entre le vélo et la cueillette, Jui fait plus d'efforts que d'habitude pour son déjeuner. De l'eau, encore et toujours. Elle est abondante ici à Yidou et les couleurs sont magnifiques. Jui se trouve dans le village de Diodahe, à 25 km au sud du centre-ville. Ici, le commerce des fleurs et des fruits est une source importante de revenus. C'est une société agraire qui dépend largement de la présence de l'eau. Je suis dans un océan de fleurs. Jui traverse des champs magnifiques pour atteindre un verger très spécial, le seul de la région qui cultive des dattes. Sur l'autre rive moussue se trouvent des rangées et des rangées de dattes du Shandong, qui ici à Yidou mûrissent en été, alors qu'elles mûrissent plutôt en automne au nord du pays qui concentre la majorité de la production. Les jaunes sont mûres. Ah super, prêtes à manger. Oui. Regardez combien il y en a, les branches sont sur le point de craquer sous leur poids. Vous savez, avant de venir en Chine, je n'avais mangé que des dattes sèches sous vide. Ça, c'est frais et super croquant, c'est génial, délicieux. C'est très bon. Jui va rendre service à cet arbre en l'allégeant un peu. Allez, quelques-unes pour la route. Comme il y a une piste cyclable, pourquoi ne pas prendre un vélo, un casque et y aller? Bonjour. Hey, bonjour. Vous venez profiter de la piste? Oui, je viens faire un tour. Et vous? Vous avez l'air très pro. On fait souvent du vélo ici. Ah, et pourquoi? Parce qu'on vit ici et qu'il y a de beaux paysages. Oui, oui, le coin est très joli. On vient deux ou trois fois par semaine. Ah bon? Vous venez très régulièrement alors? C'est bon pour la santé. Oui, c'est bon pour le mental aussi. On adore faire du vélo. Les cyclistes parcourent les routes si souvent que ce sont de vrais GPS vivants. Jui aimerait goûter quelques spécialités du coin et peut-être passer la nuit ici. Alors, ils lui ont recommandé un gîte familial rural. Les cyclistes l'escortent jusqu'à la porte d'entrée du site où elle se retrouve finalement livrée elle-même. Et voilà, voici la demeure de la famille Liu. Bonjour, bienvenue. Merci. Il fait chaud aujourd'hui. Oui, un peu. Voici la chambre. Super. La chambre vous convient? Oui, elle est vraiment bien, merci. Au revoir. Elle est grande cette chambre. Vous voyez, c'est fonctionnel, basique, mais c'est propre. Et il y a la clim et un grand lit. Bon, on mettra le réveil plus tard. Ne prenez pas celle avec des trous. Elles ont sûrement des verres. D'accord, donc pas les feuilles avec des trous. Mais ça montre qu'on fait vraiment de l'agriculture bio. Oui, c'est sûr. S'il n'y avait aucun insecte dessus, ça voudrait dire... qu'il y a des pesticides. Vous faites pousser des légumes comme ça chez vous? Non, mais quand j'étais petite, mes parents plantaient beaucoup de légumes et d'arbres fruitiers dans le jardin. D'accord.
Donc, ils plantaient des choses différentes. Oui, oui, et pas de patates douces. Oui, mes parents font pousser des légumes dans leur jardin. Ils ont aussi des arbres fruitiers, comme des ananas et aussi des avocatiers. Mais on n'a pas de patates douces, par contre. Donc, là, c'est la première. Vous pouvez manger les feuilles et les racines aussi. Ah, d'accord. Et ça, c'est de la patate douce. Non, elle est grosse. Super. On peut la ramasser. J'ai failli avoir mon visage arraché. Elle est vraiment grosse. Voyons si j'ai un peu plus de chance. Essayez plus loin, plus profond. J'avais pas fait ça depuis le lycée, où on a planté des patates. Ouais. Celle-ci est vraiment grosse. Ils sont vraiment géants, ces piments rouges. Okay. Oh, okay, stuck again. Let's go. Celle-là, c'est pour notre déjeuner. Ça devrait suffire. Oui, mais on en a deux. Ça sent bon. Cette forme de tourisme rural ou d'agritourisme. Ce que Jui aime dans le tourisme agricole et familial, ce sont tous ces plats cuisinés avec des légumes, cueillis dans le potager. Comme Jui n'est pas un fin cordon bleu, elle préfère repartir à la recherche d'ingrédients, même s'il n'aime pas beaucoup ce qu'elle s'apprête à faire. Mais bon, elle se rendra plus utile dehors. Ça prend combien de temps avant d'avoir une touche? C'est rapide, juste quelques minutes. Ah oui? Oui, les poissons viennent vite. Bon, si c'est juste quelques minutes, ça devrait aller. Notre région était très pauvre avant. Oui. Jusqu'à quelle période environ? Jusqu'en 2014. Oui, c'est à partir de 2014 qu'on a commencé à développer le tourisme ici. Et de plus en plus de gens sont arrivés. Donc votre niveau de vie s'est amélioré? Oui, des gens peuvent venir ici pour manger et pour pêcher. Il y a beaucoup de touristes? Au pic de la saison, plus de 100 par jour. Je suppose que l'agritourisme est une très bonne chose pour que ces familles rurales augmentent leurs revenus. Et il disait qu'il y a quelques années, ce coin était peut-être un des villages les plus pauvres de Idu. Donc, ils ont fait un sacré bout de chemin. C'est vraiment super ce qu'ils ont fait. Le poisson mort à l'hameçon. Ah bon? Sur ma ligne? Oh mon Dieu! Il est énorme! C'est un monstre! Aïe, 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 aïe. L'hameçon est bien enfoncé. Je peux voir? C'est quelle sorte de poisson? Une carpe. Oh, une carpe. Bon, je suis pas très fan de poisson. Oups, désolé. Ça présage de bons auspices. J'espère que ça ne lui fait pas trop mal. Adieu. Tu seras là tout à l'heure. C'est pas sympa. Ouais, mais bon, j'ai attrapé mon premier poisson de la journée, voire de l'année, voire même de la décennie. Pendant ce temps, les femmes s'activent en cuisine. Comme on trouve beaucoup de lacs, de rivières et de marais dans le Hubei, les poissons d'eau douce, comme les carpes que nous avons pêchés, font partie intégrante de l'alimentation ici. Les modes de cuisson les plus courants sont les plats sautés ou à la vapeur.
C'est quoi ce plat? Une omelette. Ah, super, et ça? Ça vient. C'est quel plat? Du poisson pimenté à la vapeur. Avec le poisson qu'on a attrapé? Oui. Ça m'a l'air très bon. Eh bien, on n'a qu'à goûter. Avec plaisir. Mon moment préféré de la journée, manger. C'est délicieux. Ça vous plaît? C'est très bon, mais il y a beaucoup d'arêtes. Et ça, c'est quoi? C'est du mohu, un rhizome qu'on réduit en poudre et qu'on mélange avec du sulfate de calcium pour avoir cette consistance gélatineuse. Ce sont des racines? C'est très bon. La texture est bizarre, un peu comme de la gelée. Pas beaucoup de goût, mais quand même très bon. Je ne sais pas ce que c'est non plus. C'est une sorte de champignon. Les saveurs typiques de la cuisine de Roubaix, c'est quoi? Salé et piquant. Tout le monde n'aime pas. Vraiment? Moi, je trouve ça pas mal. Quel est ton plat préféré? L'omelette. Hey. Vous voulez de l'alcool de riz fait maison? Oui, d'accord. À la vôtre. Santé. À suivre. Retour au bord de l'eau pour découvrir les écosystèmes qui en dépendent et qui donnent naissance à des projets environnementaux innovants. Chui est une amatrice inconditionnelle de chants d'oiseaux. Peut-être parce qu'elle a grandi près d'une zone forestière à Sydney où ils chantaient à tue-tête. Et entendre le chant mélodieux des oiseaux de Yidou l'a plongé quelque peu dans la nostalgie. Il existe un paradis écologique ici à Yidou où vous pouvez observer des oiseaux de près ou de loin comme dans un vrai écosystème. Donc j'ai décidé de venir ici aujourd'hui pour découvrir ce fameux jardin d'Éden. C'est un vrai paradis vert ici, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a quelques années, la rivière Qing était polluée et la qualité de l'eau avait grandement besoin d'amélioration. Alors M. Liang, coiffeur de profession, a décidé de faire quelque chose. Et c'est pourquoi il a lancé les jardins flottants pour purifier l'eau et augmenter la biodiversité de la zone. Comme la présence d'oiseaux est un indicateur d'un écosystème sain, on peut voir que c'est un vrai succès. Dewey a rencontré l'homme en personne. Nous avons planté des végétaux que les oiseaux aiment manger. D'accord. Quand les oiseaux mangent les plantes, les racines développent des micro-organismes qui attirent des petits poissons et des crevettes. Vous voyez? Et les oiseaux mangent des poissons? Les gros poissons mangent les plus petits, mais aussi des crevettes. Et ces plus gros poissons attirent les oiseaux. Les poissons aiment bien nager à l'ombre des jardins flottants où il fait plus frais. Donc les oiseaux attendent ici. C'est comme ça que fonctionne l'écosystème de base. Regardez, ce sont des fientes d'oiseaux. Les couleurs différentes indiquent que ce sont des oiseaux différents. Vous voyez, celles-ci sont noires. C'est un bon engrais naturel. Oui, il n'y a pas plus bio. C'est un oiseau herbivore. En effet, c'est vert. Bien, maintenant qu'on en a fini avec les déjections, on peut parler nourriture. Ces plans d'eau sont une réserve de nourriture pour les oiseaux, les poissons, les crevettes, mais aussi les humains. Ça, ce sont des châtaignes d'eau cornues. Elles ont plein de cornes. Et ça, c'est un nénuphar épineux.
Ah, ça ressemble à ça? Tout est bon dans cette plante. Les fleurs sont jolies et après la floraison, les graines sont très bonnes pour la santé. Regardez. Touchez. Mais allez-y doucement. Ah oui, en effet. Vous pouvez manger les tiges comme légumes. Et ça, c'est quoi? Le sagittaire à feuilles en flèche. Une plante tueuse? Et là, ce n'était que le début. Nous avons plusieurs variétés de légumes ici. On n'a qu'à aller chercher ce qu'il faut pour le déjeuner. D'accord. On va récolter les racines. Les racines, c'est ce que vous appelez plante caméléon, non? J'en ai déjà mangé, mais je n'avais jamais vu la plante. Allez, ça suffit. Ça sent vraiment bon. Cette plante s'appelle salitaire commune. Elle a beaucoup de racines qui purifient l'eau. Les racines absorbent les excès de nutriments et les micro-organismes sur les racines attirent les poissons. Donc on n'a pas besoin de nourrir les poissons ou de fertiliser les plantes. Donc je me trouve actuellement dans un jardin d'Éden flottant sur la rivière Qing. Oui, ils sont tout beaux, tout nouveaux et je n'avais jamais vu ça avant. Mais je pense surtout que ces jardins ont une énorme valeur écologique car vous pouvez non seulement faire pousser des fleurs et des cultures, mais aussi faire de la pisciculture. Les plantes permettent aussi de purifier l'eau en éliminant les substances polluantes. Elles permettent de se débarrasser des excès d'azote et d'ammoniac par exemple. Donc il s'agit là d'un projet expérimental dont Yidou peut largement s'inspirer ainsi que le reste de la Chine. En plus de sa valeur écologique, M. Liang est conscient du potentiel économique et touristique de ce jardin flottant. La récolte de ses légumes a parfois largement dépassé les récoltes issues d'exploitations biologiques. Il projette également de faire de cet espace un lieu touristique, ce qui pourrait générer des revenus supplémentaires, mais aussi montrer aux citoyens l'importance d'avoir une eau de bonne qualité. Cet autodidacte en matière environnementale a passé une décennie à faire revivre les marais de Yidou et les résultats sont remarquables. Aujourd'hui, la majeure partie des métaux lourds ont disparu et l'équilibre naturel de l'écosystème est revenu à la normale dans les zones où il y a les jardins flottants. Et tout cela grâce à un homme et à son épouse. Ce sont des châtaignes d'eau. Oui, ce sont les châtaignes d'eau qu'on a ramassées tout à l'heure dans le jardin flottant. Les feuilles sont vertes, mais les tiges sont rouges, comme la couleur des châtaignes. Et c'est joli. Oui, c'est bientôt l'heure du déjeuner à nouveau. Et c'est là qu'on peut voir que M. Liang a plus d'une corde à son arc. Coiffeur, écologiste et chef. Aujourd'hui, il y a encore du poisson au menu. Pêché en eau douce, bien sûr. Voilà la gastronomie des terres marécageuses, des produits issus de ces zones humides. Je vais vous expliquer. Ça, ce sont des plats typiques avec notamment une variété de poisson chat, une sorte de poisson appelé feiyu de la rivière Qing. Il est riche en nutriments et ça ce sont des racines de plantes caméléon qu'on a ramassées. Ça ce sont les châtaignes d'eau cuites à la vapeur, des tiges de nénuphar épineux et des racines de lotus. Ça ce sont des graines de châtaigne d'eau. Goûtons d'abord à la soupe de poisson. Ça a l'air très frais et surtout c'est bio. C'est un véritable festin. Vous savez, ça ne pourrait pas être plus frais ou bio que ça. Et pas besoin d'ajouter quoi que ce soit, c'est incroyable. Ah, Yidou, ces eaux scintillantes, ces vallées d'émeraudes, sa faune et sa flore, et sans oublier ses habitants. Cette série de deux épisodes sur cette ville a été très amusante.
sans temps mort et plein d'aventures. Nous avons aussi appris plein de choses en innovation et écologie. En fait, ces deux épisodes ont été très amusants, malgré le fait que Julie baignait dans sa sueur toute la journée. Vous voyez, cette ville riveraine marie parfaitement histoire, culture et paysage. Nous avons découvert un temple taoïste, mais aussi une légende de la dynastie Qing, Yang Shouding, jouée à cache-cache dans une forêt de pierre de 500 millions d'années. Nous avons goûté à la cuisine de la minorité Tudia. Écouté un homme orchestre jouer du Nangguan et passé quelques jours sous le soleil dans cette jolie ville du sud-ouest de la province du Hubei. Mais attendez, il reste une dernière activité en plein air à faire avant de se quitter. Bon, c'est l'heure de se coucher. J'adore le camping. En fait, j'en faisais beaucoup quand j'étais en Australie et une fois, j'ai même passé 75 jours dehors en vivant dans une tente. Mais bon, je ne vais pas faire ça ici. Le mieux dans tout ça, c'est qu'on peut vraiment ne faire plus qu'un avec la nature. Et ici, à Idu, c'est possible. Les gens d'ici en ont fait une grande aventure et je trouve que c'est une expérience incroyable. Je suis quand même un peu fatiguée, donc je vais me glisser dans mon sac de couchage. Alors, à plus tard les amis, je m'appelle Joy et merci d'avoir suivi Carnet de route.